Saab, voilà la voiture qui gagne les compétitions et l'admiration des automobilistes du monde entier. Mais comment est-ce possible que la Saab, qui avant tout est une voiture familiale confortable et pratique, puisse avoir des qualités qui en ont fait une voiture de compétition si riche en lauriers? La voiture a qualité d'avion. Eh bien, c'est parce qu'elle est correctement conçue. C'est le fruit d'études minutieuses et inconditionnées. Quand la société Saab, la célèbre fabrique d'avions suédois, décida de construire une voiture, la première question ne fut pas quel aspect aura-t-elle, mais quel principe faut-il appliquer afin de construire une voiture avec autant de bonne qualité et de sécurité que possible. Aura-t-elle le moteur à l'avant ou à l'arrière? Aura-t-elle une traction avant ou arrière? Aura-t-elle 4 places ou 5 ou plus? Aura-t-elle un moteur à 2 ou à 4 temps? Le moteur sera-t-il refroidi par eau ou par air? Aura-t-elle? Non. Prenons les problèmes un à un. Où placerons-nous le moteur? À l'arrière. Il pèse alors sur les roues arrière, avantage sur une voiture à traction arrière. Si nous plaçons le moteur à l'avant, il pèse sur les roues avant, avantage sur une voiture à traction avant. Mais le moteur à l'arrière réduit l'espace pour les bagages. Et en plus alourdit le train arrière, et nous aurons une voiture survireuse, ce qui est dangereux sur une route glissante. Avec le moteur à l'avant, nous gagnons un de nos buts principaux, la meilleure stabilité de marche possible, quelle que soit la route. Ceci ne veut pas dire que nous aurons un moteur encombrant et lourd. Il nous fournira exactement la puissance nécessaire. En outre, il sera sûr et économique. Un moteur net et léger placé à l'avant nous permettra d'utiliser la partie arrière uniquement pour les bagages, le réservoir à essence et la roue de secours. En outre, la voiture gagne en sécurité. L'intérieur, au centre de la voiture, est spacieux, pilote et passagers seront confortables. Pour la forme de la carrosserie également, l'on procéda d'une façon scientifique. Grâce à des essais en soufflerie, on s'est décidé pour une ligne offrant la moindre résistance à l'air et par conséquent économique en énergie et en carburant. Mais la carrosserie doit aussi être stable et robuste. C'est pour cela que la Saab a, entre autres, des montants de pare-brise et des portes extrêmement solides et renforcés de profils d'acier. Et en outre un plancher plat et encadré de barres très fortes au seuil des portes. Mais la sécurité est aussi caractéristique de la coquille entière de la Saab. Elle donne cette sensation de solidité, de sécurité, que l'on ressent si nettement en conduisant une Saab. Mais l'on a aussi pensé à autrui en construisant la carrosserie. Voyez par exemple l'avant de la voiture, les lignes pures et douces. Sans aucun détail pointu ou saillant qui risquerait d'accrocher ou de blesser. Une ligne rationnelle et une surface facile à entretenir. Mais ce n'est pas tout. Une carrosserie doit endurer les variations du climat. Elle doit durer longtemps et être en plus protégée contre la rouille et une usure inutile. Lorsque toutes les parties de la carrosserie ont été assemblées, l'unité ainsi terminée est soumise à un traitement anticorrosif chimique. Ensuite, tous les joints sont scellés hermétiquement et le dessous sera minutieusement traité au brouillard d'huile, même à l'intérieur des barres et autres parties creuses. Tout ce traitement protecteur est effectué avant d'appliquer la couche de peinture finale. Ceci est d'importance capitale pour la longévité de la voiture. Et c'est bon à savoir lorsque vous avez pris possession de votre Saab. Mais passons maintenant à la question suivante. Le moteur. Rappelez-vous, nous étions d'accord que le mieux, c'était un moteur compact, placé à l'avant. Le fait que chez Saab, on se soit décidé pour un moteur à 2 temps était le fruit de minutieuses délibérations. La plupart des moteurs conventionnels sont à 4 temps, ce qui veut dire que chaque piston effectue 4 déplacements ou temps pour chaque impulsion motrice. Un moteur à 2 temps effectue le même cycle en 2 déplacements du piston, ce dernier étant repoussé vers le bas chaque fois qu'il atteint le sommet de sa course. 2 temps, 1 impulsion motrice. Dans un moteur à 2 temps et à 3 cylindres,
le vilebrequin reçoit pendant un seul tour trois impulsions motrices, c'est-à-dire autant qu'un moteur à quatre temps et à six cylindres. Le moteur à trois cylindres de la Saab a par conséquent une marche sans vibration, aussi continue que celle d'un moteur à quatre temps et à six cylindres bien plus compliqué. Grâce au nombre limité de parties mobiles, le moteur à deux temps est très robuste et résistant. En outre, le moteur à deux temps a une puissance très grande proportionnellement à son poids et à son volume, un moteur parfait pour la Saab. Les dimensions de la voiture n'ont pas non plus été choisies au hasard. En comparant la Saab à une grande voiture, on trouvera presque autant de place dans toutes les deux. Dans la Saab, on est assis confortablement, en même temps qu'on a largement de la place pour les bagages. Et maintenant à la question suivante. En constatant que le moteur devait être placé à l'avant, pour des raisons de répartition du poids, nous nous demandions, traction avant ou arrière? Nous sommes d'accord de donner aux passagers la meilleure place, au centre, où le balancement se fait le moins sentir. En plus, c'est un avantage, du point de vue de la stabilité, d'avoir les parties lourdes aux extrémités de la voiture, avec le poids dominant à l'avant. En outre, comme c'est un avantage évident d'avoir le plus grand poids sur les roues motrices, la Saab fut dotée d'une traction avant. La traction avant présente en outre l'avantage de donner un plancher plat sans pont de cardan. Large espace pour les jambes et les pieds. Grâce à la traction avant, les constructeurs seront libres de construire un arbre arrière léger et peu encombrant, qui garde les roues toujours parallèles et la distance entre celles-ci constante. Un arbre arrière de ce genre absorbe d'une manière efficace tous les mouvements des roues, sans les transmettre à la carrosserie ni aux passagers. Même des fortes vibrations que l'on entend, l'on ne remarque à l'intérieur de la voiture qu'un agréable balancement. Pour conduire avec sécurité, il faut aussi pouvoir freiner avec sécurité. Les roues bloquées dérapent sans contrôle. Afin d'éviter que les roues arrière se bloquent trop tôt, la Saab a un système de frein avec soupape qui réduit la pression sur les roues arrière. Mais un système de frein bien conçu peut faillir. Pour cela, la Saab a deux systèmes hydrauliques indépendants l'un de l'autre. Si l'un, pour une raison quelconque, ne fonctionnait pas, nous aurons toujours des freins sur deux roues. La roue avant d'un côté et l'arrière de l'autre. Une répartition diagonale minimise le risque du dérapage. Le plancher plat de la Saab, qui, comme nous le savons déjà, est le résultat de la traction avant, donne un minimum de recoins difficilement accessibles, retenant la saleté, ce qui est un avantage lorsque l'on conduit sur des routes mauvaises. Et la traction avant tire la Saab dans les tournants. Les roues arrière n'ont pas à pousser la voiture. L'importance de ceci quant à la sécurité sur la route est bien connue de toute personne ayant conduit une Saab sur des routes glissantes et sinueuses. La sécurité est maximale, elle fait partie de la Saab. La sécurité de base qui se trouve à la construction même de la carrosserie, qui devient ainsi une carapace protectrice solide. Le traitement anticorrosif et protecteur, même des recoins les mieux cachés, dans la traction avant et dans son comportement sur la route. Oui, la Saab est dès le début construite comme une voiture de sécurité, mais on n'a pas pour cela oublié les détails de cette sécurité, comme les points de fixation pour les ceintures de sécurité, les pare-soleils capitonnés et un tableau de bord avec rebord de protection en tôle fine se pliant au cas échéant. Toute la voiture a été conçue uniquement comme une voiture familiale agréable, confortable, bien entendu, avec un excellent conditionnement de l'air et avec un chauffage réglé par thermostat provenant d'un moteur refroidi par eau, avec des sièges confortables et réglables et amplement d'espace malgré les dimensions extérieures pratiques. Et avec un extérieur moderne et élégant. Mais avant tout, la Saab est la voiture qu'elle est parce qu'elle a été construite comme une voiture logique. Une voiture avec le moteur placé au bon endroit, à l'avant, avec la meilleure traction, traction avant, avec le système de frein le plus sûr, deux systèmes indépendants. En faisant une construction robuste et résistante pour obtenir une plus grande longévité et une meilleure valeur à la revente, on obtint une voiture qui résistait aux très dures épreuves des rallyes et des autres compétitions. C'est pour cela que la Saab, suédoise, sort gagnante des compétitions et est devenue la voiture familiale qui a su gagner le cœur de tous ses propriétaires.